C'était un bavard de talent très mince, et pendant 30 ans il avait été fameux à Paris, grand homme en province, ministre de foi, toujours député. Traité d'éminent et de sympathique, il avait trahi 2 ou 3 serments, ainsi qu'il convient dans la politique. Bref, c'était l'honneur de nos parlements. Il mourut sa ville, elle était très fière d'avoir enfanté ce contemporain. Dès qu'il fut enfin muet dans la bière, le fils sans tarder revivre en Hérin. J'ai vu sa statue, elle est sur la place où se tient aussi le marché couvert. C'est bien l'orateur, son geste menace, et sa redingote est en bronze vert. Mais les bons ruraux, ville multitude, vendant les produits du pays natal, sans y voir malice et par habitude, laissent leur baudet près du piédestal. Et tous les lundis, quand les paysannes, sous les piliers noirs, viennent se ranger, le tribun d'Hérin harangue les ânes, et ça ne doit pas beaucoup le changer.